Bonjour Stéphane. Bonjour. 40 combats, 32 victoires, 8 défaites. Tu as démarré en 2007 à 18 ans. Tu as terminé en 2017, 10 ans de combat, 10 ans de carrière. Oui. C'est beaucoup quand même. C'est une belle grande carrière. Est-ce que tu pourrais nous commenter? C'est long, ça c'est long, parce que j'ai que 29 ans, je suis encore jeune, mais voilà, j'en ai pas assez, j'ai pas envie, et je laisse la place aux plus jeunes que moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de la boxe? Oh. Ouais, c'est vieux, j'avais 13 ans, je sais pas, j'avais une copine à l'école, que son papa avait une salle de boxe, Dimitri, voilà, puis j'ai été voir, j'ai continué, j'ai accroché, voilà. Avant, tu faisais le football aussi? Ouais. J'ai fait du foot, mais... J'ai accroché à la boxe, j'ai fait 16 heures de boxe. T'as mordu au premier gant, au premier appel. Ouais, ouais, mais ça s'est arrêté là. Maintenant, ouais, j'espère former des jeunes avec Sandro, Cédric Tita et mon frère. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es rentré la première fois dans un club de boxe? Mais c'est ça que je veux faire. C'était quoi l'ambition, en fait? Tu t'es dit comme champion? Non. Non, du tout? Non. Non, mais même bon, maintenant, je suis pas champion. J'ai boxé, j'ai fait des beaux combats, des moins beaux combats, et voilà. Chaque chose est son temps, voilà, c'est comme ça. Tu ne serais jamais dit, je serai champion d'Europe, j'irai boxer en championnat du monde? Non, non. Et quand c'est arrivé, ça? Parce que tu as quand même eu, je vois ici dans ton palmarès, que tu as eu 7 combats en EBU, 3 gagnés, 4 perdus. Ouais, tout comme ça. Un petit mot, un petit peu dessus, est-ce que tu es déçu ou satisfait? Dessus, non, parce que ouais, j'ai fait des choses pas bien, parce que voilà, j'ai pas toujours fait tout correctement dans ma préparation. Et ouais, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire, mais je regrette pas. Qu'est-ce que tu aurais pas dû faire? Des matchs que tu aurais pas dû faire? Peut-être pas autant de matchs, on était fait peu de temps, peut-être. Ouais. Je les ai assis. C'est vrai que quand on regarde, en fait, t'as enchaîné les championnats d'Europe et les championnats du monde. J'ai fait 7 championnats du monde junior, c'est pas 6. Hein, c'est à 6 combats championnats du monde. Junior. Junior. Et 2 seniors. Et 2 seniors. Et ces deux-là, ils ont été victorieux. Ouais, j'étais brave, j'ai pas de par KO. C'est pas. C'est une classe de course supérieure. La classe nationale, puis européenne, puis mondiale, la mondiale. Pour l'instant, la Belgique, elle est nulle part pour ça. Ouais. Si je reviens sur le palmarès, tu as fait un combat en championnat de Belgique. Ouais. Ça, c'était en 2009. Donc, tu as eu le titre de champion de Belgique. Déjà, à cette époque-là, tu t'es dit, je veux aller plus loin, j'ai l'ambition de vous aller. Oui, je voulais, mais je ne passais pas à faire championnat d'Europe, je ne passais pas à faire championnat du monde, je ne passais pas non plus. Voilà. Ouais. Donc, à WBC en junior, 2010. Junior. Donc, l'année, juste après le titre de ouais. Championnat de Belgique. Junior. C'était à Mexico. Non, c'est à Lancer que j'ai boxé. Le WBC? Ouais, en 2009, à Lancer. Puis j'ai défaut encore 2009 ou 2010 à la préale. Et puis j'étais à Mexico. C'est pas dit dans Boxerac, ça. Faudra leur dire. Ouais, un petit mot pour Boxerac? Non, mais c'est juste. Pour moi, c'est toi qui te trompes là. Hein? Souligné en vert. Ouais, c'est juste. Côte. C'est. En 2009, le 5 du 9 2009, mais le tête n'est pas mis, mais c'était la tête. Puis j'ai boxé encore le 2 du vert, enfin le 20 du 2 2010 après Al. Après j'étais au Mexique. Hein? C'est. Alors moi je vais te faire un petit aveu. Quand j'ai fondé Box TV, j'ai grouillé mes puces, mais je me suis dépêché comme arraché pour avoir tout ce qu'il me fallait pour avoir mettre en place la SBL pour justement être présent lors de ton match contre les Haskins. Voilà. Ouais. Et je m'en rappelle. Ce match-là, il m'a pris des tripes. C'était mon plus beau combat. Oui. Pour moi, c'est le plus beau combat que j'ai vu. Il ne sera jamais dans ma mémoire et la mémoire d'autres aussi. C'est plus beau. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu avais des ailes à ce moment-là? Non, je ne sais pas. Non, le combat s'est fait comme ça. Et, non, je ne vais pas me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Le combat s'est déroulé comme ça. Le boxeur m'a bien correspondu. Voilà,
c'est bien tous les deux. Et... T'as senti que t'avais dessus? Non, parce que le match était équilibré. Hein. C'est, ouais, au bout d'un moment, la chose, je sais pas si c'est la chose ou quoi. Au bout d'un moment, j'ai touché. Après l'avoir touché, j'ai vu que je pouvais. Que je l'aurais là, quoi. C'était certain. Mais, tu l'as plus lâché. Non, j'ai plus lâché là. Sinon, le combat était équilibré. Hein. Je sais même pas qui était gagnant. J'ai jamais vu le pointage. Ça ne t'intéressait pas non plus? Non, moi, je faisais champion d'Europe, j'étais content, voilà. C'est tout. Ensuite, c'est Ashley Sexton la nuit suivante. Ouais. Lancy, c'est une belle victoire aussi. Et malheureusement, avec Karen Guirfi, la même année, là, ça a été la défaite. Combat pris trop à la légère. C'est tout. J'ai pas... Reposé sur les lauriers? Non, j'ai même pas de ce qui a tombé. J'ai pris le combat à la légère, là. Et peu importe, il était plus fort que moi, et c'est ce qu'on pouvait cette année. J'ai boxé contre lui, match revanche. Ils m'ont combattu, ils m'ont bien battu, donc il était plus fort. Hein. Il n'y a pas d'excuse à trouver. Ce jour-là, j'étais pas moi, mais quand même, ils m'ont quand même battu. Et je pense qu'ils m'ont même battu, même près. Et puis ensuite, tu as tenté l'expérience au Japon, ouais. À Osaka. Ça, c'était face à Shinsuke Yamanaka. Infaisable. Qui était quand même 5 fois champion du monde à la suite. Infaisable. C'est une pointure, quand même jusqu'au 9e round. Ah, mais c'était faisable. Ouais. Trop dur. Oui. Trop puissant, je sais pas. Une classe mondiale, ça. Ouais, mais je suis le petit belge, je suis un japonais. Ouais. Justement, toi qui dis le petit belge, qu'est-ce qui manquerait à la Belgique? Parce que moi, je me rappelle, je suis allé te filmer. Les moyens, c'est tout, juste les moyens. Alors, qu'appelles-tu les moyens? Si tu avais un message à passer aux organisateurs, aux ministres, aux personnes qui seraient intéressées à la boxe, qui aurait besoin d'athlètes, parce que le soutien financier, c'est bien, il n'y a pas que ça. Moi, je me rappelle que tu t'entraînais encore à Mönchengladbach, c'était pour le combat justement au Japon. À ce moment-là, je pense que tu étais en congé sans solde, quelque chose comme ça, tu avais tout organisé pour pouvoir t'entraîner, mais tu ne travaillais pas en tant que père de famille. Je ne travaillais pas, j'ai pas eu l'entraînement qu'il fallait. Je ne dis pas d'approche chez mes entraîneurs, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, voilà, c'est comme ça. On a fait ce qu'ils pouvaient, on a fait les moyens qu'on avait, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé partir, je sais pas moi, tu m'avais un mois et demi à Cuba, au Mexique, ou en Amérique, peu importe. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs qu'ici, hein. Mais il y a d'Espagne. Ici, j'ai boxé avec un amateur professionnel, c'est tout. J'aurais été là-bas, j'aurais eu, je sais pas moi, 4 ou 6 expériences. Et c'était différent. Je ne dis pas que j'aurais été gagné au Japon, rien à voir. Ça aurait été différent. Tu penses que pour que qu'est-ce qu'il faudrait à la Belgique pour avoir un niveau ou deux niveaux supérieurs? Il faut 10 niveaux supérieurs, 10 niveaux. Les moyens. Juste les moyens financiers. Et que la Belgique ait de la boxe. Alors, on connaît le Vlad, justement. L'écurie du GMG d'où tu sors. Ton frère qui est sur la même écurie que toi, parce que c'est ton frère, donc c'est un... Il est toujours là, il est toujours au GMG. Il traîne avec moi ici, il est au Vail Club avec moi. Mais il est toujours manager par le GMG, certains toujours au GMG. Il vient de donner un coup de main ici à moi, Sandro et Cédric, mais il est toujours au GMG, lui. Est-ce que tu l'entraînes personnellement? Non, c'est pas moi. C'est pas moi l'entraîner, il a son entraîneur qui est ici avec nous aussi. Et alors c'est quoi, sa grand frère supporter et derrière? Ouais, je sais pas, c'est mon petit frère, c'est comme ça. Mais quand tu le regardes boxer, ça se passe comment en tant que spectateur? Stressé, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas lui apprendre la boxe, mon frère il connaît la boxe, il a son entraîneur pour l'entraîner, c'est pas moi qui vais lui dire quelque chose. Je suppose que tu es fier qu'il suive tes traces. Ouais, je suis normal. Ben voilà, moi je pense que j'ai bien de bonnes choses avec toi. Je te remercie beaucoup en tout cas. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner aussi un petit peu des renseignements sur ton club de boxe? Ici, c'est un jeune club qu'on a ouvert ici il y a un mois d'ici. Ben, la commune de Dupaï. Il y a un mois, c'était quel mois? On a ouvert début août, le 6 août. Le 6 août. C'est une petite salle, on n'a pas beaucoup. On a un boxeur amateur pour l'instant qui vient de Chorat, qui a quitté Chorat, qui est venu ici. C'est bientôt des charades. Voilà, j'espère qu'on va monter des jeunes. Et pourquoi pas faire un champion, on verra bien. Pourquoi pas. Un futur champion du monde. Ouais, déjà, je suis Belgique, je suis déjà couteau. Je suis Belgique, je serai déjà bien couteau. Après, on verra bien. On verra. Amateur, après, on verra bien si on a des pros. On va laisser le temps aux choses. Le temps au temps. C'est tout le monde qui a le cheveu soumis, comme on dit. Merci. Ouais.
D'autant plus que toi, tu es arrivé sans avoir la prétention et l'ambition d'aller boxer en championnat du monde et de sortir des titres européens. Non, je sais, je voulais être champion, mais je voulais être champion, mais je ne pensais pas d'Europe. Mais en tant qu'entraîneur, le fait d'avoir eu les victoires, tu as plus de lisibilité qu'un autre entraîneur. Non, ça, je pense pas. Je pense pas parce que tu es champion d'Europe, champion du monde, champion de Belgique, champion de n'importe quoi, que tu es meilleur qu'un autre. Ça va. Peut-être que moi. J'espère que non, mais peut-être que je me plante. Peut-être que je serai un mauvais entraîneur, je sais pas. On verra bien. Ça, c'est pas cette année que je serai, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, 10 ans, je sais pas. Mais je ne saurais pas le dire maintenant. On verra de faire un rapport dans 10 ans. Ah, mes entraîneurs, ok, que tu es champion du monde, champion d'Europe. C'est tout, mais j'ai des bons entraîneurs. On verra moi. J'espère l'aide, mais peut-être que je le serai pas. Alors, le mot de la fin, petit mot pour la jeunesse. Courage. Ouais, j'ai essayé ambitieux, voilà. Il faut travailler. Plus que moi, j'ai pas assez travaillé, moi. Voilà. J'étais fainéant. Stéphane, un grand merci. Merci à vous. Et c'est pas fini. Je veux dire un petit mot à Box TV. Ouais, bah, merci à Box TV pour le reportage, l'interview. Voilà. C'est un plaisir. J'espère qu'elle en aura encore. On va bien. J'espère aussi. Merci Stéphane, ouais. À bientôt. Ouais.